먹고 있죠. 앙 저는 좀 그래. 그러니까 또 그 좀 나간 이제 비 삼나가. 솜솜이 로 담당 사브리냐 안트라키엔. 땡큐 미스터 프레지던트. 담당 사브리냐. Mr. President, I need to take the opportunity to make a statement about the conduct of parties before this court. Your Honours, under Rule 22.4, no lawyers have an obligation to promote the fair and effective conduct of the hearings. I can't let the outburst of the Defence Counsel for Yang Sari pass. The tone, the manner, the accusations towards the witness were completely in contravention to Your Honour's rulings. I understand counsel's frustration as rules develop, but I just would ask that all parties abide by general standards of fair conduct of proceedings. I think, Your Honours, if all parties had outbursts like we saw from the Yang Sari defence team, this hearing would result in a real disarray and it would take away from the integrity of the proceedings. Again, I understand the frustration. I certainly don't want to say the colour should be removed from the courtroom, and certainly counsel for Yang Sari, a highly competent counsel, but I would not like the public to feel that type of outbursts, those types of accusations were appropriate for a courtroom. So I just would ask Your Honours to advise parties, all parties, to abide by the rules of etiquette and proper practice in the courtroom. I'm not going to repeat what was said, but I just would ask that occur. Chơi đúng mấy tư vị. Mấy tư vị việc kén. Merci, Monsieur le Président. Ça n'était pas pour répondre au procureur, mais pour poursuivre. Est-ce que je peux poursuivre? Ban pantai le mon nung bokol oi vetika chun te lok bto som chei lok chakram song mak. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais m'efforcer de rendre la parole le plus possible à Maître Merkel. Mais encore une fois, pour bien être sûr qu'on ait bien compris et que le témoin ait bien compris le sens des questions qui ont été posées ce matin, je voudrais à nouveau clarifier avec vous, Monsieur le témoin, les choses suivantes. Ce matin, vous nous avez déclaré que vous aviez eu l'occasion de discuter avec PANG un certain nombre de questions, notamment ayant trait au comité permanent, et que cette discussion était intervenue avant l'arrestation de PANG, donc une conversation qui n'avait pas eu lieu à S21. Maintenant, avant la pause, on vous a la défense de Kyo Sampan vous a confronté avec une de vos déclarations, une déclaration faite devant le juge d'instruction du tribunal militaire le 9 juin 1999. Et je vais dire simplement une phrase de cette déclaration. Cette phrase est la suivante. On vous pose la question, vous est-il arrivé d'interroger vous-même les prisonniers, quelles étaient ces personnes? Vous avez dit ceci. Parfois, j'avais des conversations avec ceux qui ont déjà été interrogés, comme le nommé Tukpon, Chim Sak-ok, alias Pang, Chu Chet, alias Si, et Von Vett. Voilà. Donc vous avez ensuite expliqué qu'il y a eu d'autres
il vous arrive également de participer directement à un interrogatoire, mais c'était différent. Là, je parle de conversations qui ont lieu, et si je dis bien, après que ces personnes aient été interrogées. Donc, si on lit cette phrase, on comprend que c'est après qu'ils aient été interrogés à S21. Si on met en lien vos déclarations et cette phrase, il y a apparemment une contradiction. Si vous avez cette conversation après qu'ils aient été interrogés, c'est bien S21. Et ça contredit ce que vous avez dit précédemment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi une telle contradiction, ou selon vous, est-ce qu'il n'y a pas de contradiction? ខ្ញុំរៀបប្រសាសន៍លោកចៅក្រមបញ្ហានេះមើលទៅវាហាក់ដូចជាប្លែកគ្នាទំនាស់គ្នាផ្ទុយគ្នាតែតាមពិតវាអត់ផ្ទុយទេខ្ញុំបានជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះនៅនេះហើយថាកំណត់ហេតុនៃចៅក្រម ស៊ើបអង្កេតយោធាគេសរុបទាំង 4 ញាក់ហើយប្រើកិរិយាសព្ទតែ 1 ប្រើគុណសព្ទតែ 1 ប្រើកិរិយាវិសេសតែ 1 ហើយបើសិនជាសួរករណីមនុស្សណាម្នាក់ ដើម្បីឲ្យខ្ញុំបដិសេធឯកសារនេះខ្ញុំទទួលមិនបានទេឯកសារនេះខ្ញុំនៅតែទទួលស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែទទួលស្គាល់ថាគេសរុបមនុស្សដោយឡែកទាំង 4 នេះវាមានករណីពិសេសរបស់វាខ្ញុំសូមមើលSur le témoin. Je vais relire la phrase et vous me dites simplement si oui ou non, c'est une phrase que vous avez dite. C'est bien la phrase qui correspond bien à ce que vous avez dit devant le juge. Parfois, j'avais des conversations avec ceux qui ont déjà été interrogés, comme le nommé Tukpun, Chim Sak Ok, alias Pang, Chu Chet, alias Si et Von Vett. Est-ce que cette phrase-là, vous l'avez dit, ou est-ce que vous considérez qu'elle manque de nuance? Je me représente le diagramme. បញ្ហានេះមិនមែនតាមចាំទេគឺចាក់ស្ដែងហ្មងបងតូចភឿនខ្ញុំទៅជួបក្រោយគាត់គេសួរចម្លើយគាត់មែនជូជេតហើយស៊ីក៏ខ្ញុំទៅជួបក្រោយគេសួរចម្លើយគាត់ពេលដែលសុខភាពគាត់រឹងប៉ឹងអស់ហើយដោយឡែក វនពេតហើយនឹងខ្ញុំសូមអោកហៅប៉ងប៉ងគឺខ្ញុំជួបតាំងពីមុនគាត់ចាប់ដោយឡែកនៅពេលដែលគេចាប់គាត់ភ្លាមគាត់ស្ដីឲ្យខ្ញុំមួយម៉ាត់ដែលខ្ញុំសូមមិនលើកយកមកនិយាយទេ ហើយចំណែកជាមួយវនវេតខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយខ្ញុំបានទៅជួបគាត់នៅពេលដែលមុននឹងគេសួរនេះវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងសរុបមកក្រោយសួរពីអ្នកមុនសួរពីអ្នក
Monsieur le témoin, première clarification, on m'a traduit en français que vous veniez de dire que Pang vous avait mis en cause dans sa confession. Est-ce bien ce que vous venez de dire ? Pang, très bien que je l'aie dit. Tang, puis mon. Pang, très bien que je l'aie dit. Chaptang, puis mon, tu n'as pas pensé à moi, moi, je te pompe. D'accord. Donc j'avais mal compris. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Pourriez-vous vous référer, s'il vous plaît, à la dernière page du procès-verbal d'interrogatoire du 9 juin 1999 devant le tribunal militaire, la dernière page, s'il vous plaît. La page 4. Monsieur le Président, m'autorisez-vous à projeter le passage dont je souhaite parler, s'il vous plaît. Voilà le passage dont je souhaiterais vous donner lecture, donc qui clôture votre déposition du mois de juin 1999. Il est écrit « Fin du procès verbal à 4h45 minutes en fin d'après-midi du même jour. Et lecture a été donnée à l'interrogé qui n'a formulé aucune objection et qui a posé son pouce droit comme preuve devant nous, ci-dessus, et ensuite, nous voyons les signatures ou les empreintes des quatre personnes présentes, votre avocat, vous-même, le greffier, le juge d'instruction. Ma question est la suivante. Il est indiqué par un magistrat et son greffier que lecture vous a été donnée de vos déclarations ce jour-là. Nous avons et nous savons que vous êtes un spécialiste de tout ce qui concerne l'interrogatoire. Votre déclaration aujourd'hui consiste-t-elle à prétendre que vous avez laisser passer une erreur qui se répète à plusieurs reprises dans votre déposition sans la corriger. ជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធានភាសាដែលខ្ញុំពន្យល់ថាកំណត់ហេតុនេះជាសេចក្តីសរុបខ្ញុំគិតថានិយាយប៉ុណ្ណេះទស្សនៈគោលជំហររបស់មនុស្សដែលមានវិចារណញ្ញាណទទួលបានយល់បានការពិតដែលចំណុចនោះ ចំណុចនោះយើងខ្ញុំបានឆ្លើយអញ្ចឹងគេសរុបអញ្ចឹងដូច្នេះបញ្ហានេះខ្ញុំពិតជាប្រដឹកមេដៃមែនខ្ញុំជឿថាបញ្ហានេះវាអត់ដាក់បន្ទុកអីលើខ្ញុំទេបានជាខ្ញុំប្រដឹកមេដៃ
ដូច្នេះសរុបមកវិញខ្ញុំនៅតែរក្សាគោលជំហរថាខ្ញុំពិតជាបានប្រឌិតមេដៃខ្ញុំបានទទួលស្គាល់ហើយបានអនុញ្ញាតឲ្យគេសរុបសង្ខេបអញ្ចឹង Comprenez-vous, monsieur, que le contenu de ce procès-verbal du 9 juin 1999, dont vous nous dites que vous l'avez signé sans corriger, parce que les propos qui auraient dû l'être ne vous incriminaient pas, comprenez-vous que ce procès-verbal prend une dimension encore plus forte lorsque on le rapproche de la transcription des enregistrements de l'entretien que vous avez eu avec le Haut Commissariat aux réfugiés la même année que ce procès verbal d'interrogatoire et dans lequel vous confirmiez également que vous aviez discuté avec Pang alors qu'il était détenu à S21. Et quel est votre commentaire sur ma remarque? Je vais vous dire que je vais vous dire គេសួរខ្ញុំព្រឹត្តិការណ៍ច្រើនបានគេសរុបមកអញ្ចឹងពេលនោះទាំងខ្ញុំទាំងចៅក្រុមស៊ើបអង្កេតអត់ទាន់ឃើញកំណត់ហេតុស្អីថ្ងៃប្រមាណអីគេនេះទេ Nhóm có đôi chân trong sự ứng kiến ở tuần bàn khuyên cầm nọt hết rồi bóc UNHCHRT. Hơi chân ốc nếu có một bàn khuyên sẽ ấp thọt xâm lĩnh bất bật con chế bắp đám rồi bóc nhóm đại. សូមលោកមេធាវីមេត្តាខ្ញុំបញ្ចប់ឃ្លាខ្ញុំសិនបញ្ចប់បាននេះខ្ញុំបញ្ចប់បាននេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ឃ្លាខ្ញុំសិនបាននេះឯចំណាយកំណត់ហេតុចុះថ្ងៃ 4-5 មេសាឧសភា 1999 នេះខ្ញុំបានប្រកាសមកហើយ ហើយសហប្រិយអាញាក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាអានេះវាជាសេចក្តីកំណត់ហេតុឯចំណែកខ្សែអត់វាទៅមួយផ្សេងឯចំណែកខ្ញុំសម្ភារពិតប្រកបជាមួយនឹង UNHCHR តាំងពីថ្ងៃ 30 ថ្ងៃ 1 ថ្ងៃ 2 ហើយមកចប់ល្ងាចថ្ងៃ 3 ដូច្នេះខ្ញុំបានបដិសេធកំណត់ហេតុនេះរបស់ UNHCHR រួចហើយឯចំណែកកំណត់ហេតុរបស់ Monsieur le témoin, j'ai compris, monsieur le témoin. Ce matin, vous avez déclaré
à cette chambre que à l'époque à laquelle vous vous étiez entretenu avec Pang, vous n'aviez pas peur d'être arrêté. Vous vous souvenez avoir dit cela. ខ្ញុំរៀបប្រសាសន៍លោកប្រធានការសន្ទនារវាងខ្ញុំហើយនឹងប៉ុងគឺការសន្ទនារវាងអ្នកត្រូវដឹកនាំនិងអ្នកដឹកនាំ គឺការសន្ទនារវាងអ្នកត្រូវគេដឹកនាំហើយនឹងអ្នកដឹកនាំគេ Je voudrais vous soumettre un interrogatoire du 2 avril 2008 devant le juge d'instruction des CETC qui porte la cote D86. Barre de fraction 24. J'ai préparé un exemplaire surligné pour vous. Et je demande l'autorisation à M. le Président de pouvoir diffuser sur les écrans le passage dont je vais parler. Ok. J'ai signalé le passage, monsieur le témoin, par un onglet et par un surlignage. Alors, lors de cet interrogatoire, vous étiez assisté de votre avocat et voilà ce que vous dites. Question du co-juge d'instruction. Pourquoi gardiez-vous un exemplaire des versions non expurgées, de surcroît en soulignant qu'un nom avait été enlevé? Votre réponse. C'est uniquement dans le cas de ceux qui étaient provisoirement mis hors de cause, mais qui devaient tôt ou tard être arrêtés. Pour ceux qui étaient protégés, je détruisais la confession. C'est par exemple ce qui s'est produit lorsque j'ai été critiqué par Son Sen pour avoir laissé apparaître dans une confession le nom de Pang, président du groupe de travail du comité 870 et messager de Pol Pot auprès de moi. Quelque temps plus tard, il m'a d'ailleurs fait le reproche inverse. J'avais enlevé le nom de Pang et il espérait le voir apparaître. À ce moment-là, il y a une question de votre avocat, François Roux, qui vous demande si, je cite, « compte tenu des ordres contradictoires que vous receviez concernant la mise en cause de différentes personnes et étant précisé que votre prédécesseur avait été exécuté à S21, n'aviez-vous pas peur que votre tour arrive un jour ou l'autre? Réponse de la personne mise en examen, j'ai déjà expliqué que j'étais terrifié et que ma femme l'était aussi. Chaque fois que j'étais convoqué par les supérieurs, j'ai eu de plus en plus peur. Je vous suggère, monsieur le témoin, que cette déclaration est en contradiction avec celle que vous avez prononcé sous serment ce matin à la barre de ce tribunal. Dans un cas, vous dites que vous étiez terrifié
Dans l'autre, vous prétendez que vous ne l'étiez pas. Pouvez-vous vous expliquer sur cette contradiction apparente ? គ្មានការផ្លែកគ្មានការខុសគ្មានការផ្ទុយអីទេការជួបអ្នកដឹកនាំទោះបីអ្នកនោះជាអ្វីក៏ដោយក៏ត្រូវតែសម្ដែងការត្រង់តែសភាពការជាទូទៅ មានព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនដែលប្រព័ន្ធខ្ញុំក៏ខ្លាចហើយខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនក៏មានព្រឹត្តិការណ៍ខ្លះដែលខ្លាចចាប់ផ្ដើមខ្លាចមែនទែននៅពេលដែលបាក់បងនុនជានេះឯងបញ្ជាឲ្យគេចាប់ងាច់យូរហើយហងសូជាហើយនឹងសូយក សារមកវិញខ្ញុំភ័យរន្ធត់ដោយគេដូចឯងអញ្ចឹងចំពោះសភាពការរួមតែរឿងពិភាក្សាជាមួយខាងលើអត់មានបញ្ហាខ្លាចទេខាងក្រោមត្រូវទីរីកាដោយស្មោះត្រង់ជូនខាងលើ Vous souvenez-vous quand a été arrêté, la prononciation, Get You alias Ong? មនុស្សទាំង3នាក់នេះត្រូវចាប់ខ្លួនក្រោយថ្ងៃ 15 សីហា 1977 មេធាវី Vous souvenez-vous si Tamok s'était plein de chouchettes? Je me réponds à l'opinion. Tamok, quand man pinchette n'en chouchette, qu'on me le cogne, s'en quête cogne, qu'est pas loin. Vous souvenez-vous de la déclaration que vous avez faite au juge d'instruction le 2 avril 2008 ? C'est encore le PV D86, barre de fraction 24, audition donc du 2 avril 2008. Cette fois-ci en page 4, ERN français 001-95-948, anglais 001-78061, khmer 001-78804
selon laquelle, avant l'arrestation de Chouchette, tous ses subordonnés avaient été arrêtés en application de la doctrine d'Oshimin, que vous aviez même prononcé en disant qu'elle consistait à dire qu'avant de couper les bambous, il faut débroussailler les épines. Est-ce que vous vous souvenez de cette déclaration? Je vous suggère, monsieur, que ce détail que vous donnez et confirmez montre que l'arrestation de Chouchette semblait être l'aboutissement d'un plan de longue date. Êtes-vous d'accord avec ces propositions? Vous avez indiqué que avant que l'Ankar n'arrête Chouchette, tous ses subordonnés avaient été arrêtés, et vous avez précisé que cette chronologie, d'abord les subordonnés et ensuite Chouchette, eh bien, correspondait à l'application d'une doctrine, celle d'Oshimin, qui indique qu'avant de couper les bambous, il faut débroussailler les épines. Et donc, je vous pose la question de savoir si, avec moi, vous comprenez cette déclaration comme signifiant que l'arrestation de Chouchette venait au terme d'un plan qui consistait d'abord à débroussailler les épines pour ensuite couper les bambous. ខ្ញុំនៅចាំបានថានៅពេលនោះខ្ញុំបានជូនឧទាហរណ៍ពីរនាក់ទៅសហចៅក្រមសិស្សអង្គការផង Alors, pourquoi, selon vous, Pol Pot aurait-il été dans la nécessité de remplacer
Au dernier moment, Van Vett, par que son pan, s'il s'agissait d'un plan qui était déjà décidé de longue date. ខ្ញុំដូចមិនដែលបានជម្រាបសហជាក្រុមសិកមង្កេតថាប្រពន្ធជំនួសវនវេតដោយខៀវសំផនទេខ្ញុំគ្រាន់តែបានជម្រាបសហជាក្រុមសិកមង្កេតថា Bong Khieu Samphon yok ban nom yok bong thlai robos bong Mun Chea ni teu dak neu muntri pet 75 muntri pet usahakam chumnuoh propon von wet Avez-vous dit au juge d'instruction des CETC que avait participé au processus décisionnel d'arrestation de Chouchette? Participer pour quoi faire? ខ្ញុំរៀបប្រសាសន៍លោកប្រធាននេះជាបញ្ហាដដែលដែរ Est-ce que vous vous souvenez avoir déclaré au juge d'instruction qu'en fait que son pan n'aurait été convoqué à la place de Van Vett que pour être informé du processus de purge? Pour le transcrit, il s'agit de la code D90, page 6, interrogatoire du 25 juin 2008, page 5, donc 5 et 6.
ERN français 001-98-891, ERN anglais 001-98-883, 001-98-883, Khmer 001-98-875. Thank you, Your Honour. If there are any further questions on this topic, I'll just ask the witness be shown that particular part of the statement, if it's required to refresh his memory. Dương cua tại bằng hai xã xây nữ ở tập bát nam muối ở xã xây mới đồng bay ở xã xây nước trong trăm làng vinh sông Mộc. Je peux lui montrer, mais je ne comptais pas poursuivre. ខ្ញុំអាចបង្ហាញបានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់បន្តចំពោះបញ្ហានេះទេតែបើសិនបើអង្គខ្ញុំបានជូនបានអន្តរ័យរដ្ឋបាលតុលាការយកឯកសារពីមេធាវីយកទៅបង្ហាញជូនសាក់សីពិនិត្យ Vous l'avez lu, monsieur? Je me répète à l'opinion, son locomotive, coup, calinadic, look out some iron. Coup, Ochba. Le passage surligné est indiqué par un onglet. Que Aïkassa de Ban. En page 6. Si vous m'y autorisez, Monsieur le Président, je peux la montrer à l'écran. Puis-je récupérer une seconde le document qui a été remis au témoin afin de vérifier que le passage a correctement été surligné et indiqué? Monsieur le Président, s'il vous plaît. បន្ទាត់ហើយឬនៅសូមលោកប្រធានមេតាអនុញ្ញាតមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការពិនិត្យមើលដកឯកសារចេញពីសាក់សីមកយកឲ្យមេតាវីគូណាមេតាវីខ្មែរហ្នឹងឲ្យគូបានដែរចំណុចណាដែលគាត់ប៉ុនប៉ងហ្នឹង
En fait, il l'était déjà, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez le passage, Monsieur le témoin, maintenant? Prenez le temps de le lire. ខ្ញុំរៀបប្រសាសន៍លោកប្រធានខ្ញុំបានឃើញកំណត់ដែលគេចង់សួរខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមអានដោយតទៅខ្ញុំសូមលោកមេធាវីភ្ជាប់ឃ្លាមកកំណត់ទៅខាងលើកុំចោលបើចោលផុសខុសនេះ បើលោកលុបឃ្លាខាងដើមនោះនៃទៅផ្សេងណាឥឡូវខ្ញុំសុំទៀមទីឲ្យភ្ជាប់អាកំណត់មកកំណត់ខាងដើមនោះមកនៅលើអេក្រង់លោកអត់ភ្ជាប់ឲ្យខ្ញុំទេដើម្បីសាធារណជនលោកឃើញឥឡូវសុំលោកភ្ជាប់ Écoutez, moi, personnellement, je vous ai soumis ce document parce que le procureur vous demandait. Si maintenant il faut lire tout le document, je n'arriverai jamais à terminer votre interrogatoire. Je vous ai fait une proposition. Vous m'avez dit que vous ne vous souveniez pas de votre déclaration à ce sujet. Je vous soumets le document. Il y a un passage que j'ai surligné dans lequel vous dites que, je cite, « Selon moi, si Kyo Sampan a été invité à assister à la réunion au cours de laquelle a été décidé l'arrestation de Chouchette, ce n'est pas pour participer à la décision, mais pour être informé du processus de purge. Ce qui m'intéresse, c'est l'objet de sa convocation. Les autres développements ne m'intéressent pas pour l'instant. Le tribunal aura l'occasion de les lire, tout le monde ici dispose de ses dépositions. Moi, je vous ai interrogé sur ce passage précis. Et, c'est tout. Maintenant, je vous ai rafraîchi la mémoire. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit ce qui est surligné, oui ou non? Je ne vous demande pas une explication de texte. Je vous demande juste si ce qui est surligné, vous l'avez dit. គូមិនអាចមានការភ័ន្តច្រឡំបន្តិចដោយសារយើងគូបន្តទៅវាបាត់ឃ្លាមកកណាត់ជាភាសាខ្មែរវាបាក់អានមិនដឹងអានថាម៉េចទេព្រោះឃ្លាវាអត់ឲ្យអានតាំងពីដើមទី ឥឡូវលោកឃើញទេសាក់ស្័យដាក់ហើយហើយអានត្រឹមតែខណ្ឌដូច្នេះបើតាមខ្ញុំនឹងមកគឺឃ្លានឹងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅក្នុងន័យនេះអាចយល់បានណាជាភាសាខ្មែរ អរគុណជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធានខ្ញុំសូមអានកំណត់ដែលត្រូវការទាំងអស់គ្នាដូច្នេះបើតាមខ្ញុំបើខៀវសំផនត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំ ដែលមានការសម្រេចចាប់ខ្លួនជូជេតគឺមិនមែនដើម្បីចូលរួមក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចនោះទេប៉ុន្តែដើម្បីដឹងអំពីនីតិវិធីនៃការសម្រិតសម្រាំង Merci pour cette lecture, Monsieur le témoin. Et je voudrais que vous nous indiquiez ce que vous avez voulu dire ce jour-là en
en utilisant l'expression « selon moi ». Est-ce que ce que vous venez de lire correspond aux informations dont vous prétendez qu'elles vous ont été communiquées par Pang, ou est-ce que c'est votre interprétation ultérieure que vous délivrez ce jour-là au juge? Dans la discussion que vous prétendez avoir eue avec Pang, celui-ci vous a-t-il expliqué pourquoi Van Vett aurait été écarté? De la réunion dont nous parlons, bien sûr. Nous savons que Van Vett sera arrêté début novembre de la même année. Le fait de s'être opposé à plusieurs reprises avant la réunion concernant Chouchette, s'être opposé au parti à plusieurs reprises avant la réunion de Chouchette, l'a-t-il fait placer sous surveillance, Van Vett? Était-il sous surveillance? Est-ce que vous pouvez répéter les raisons pour lesquelles Van Vett aurait été écarté de la réunion concernant l'arrestation de Chouchette? ដូច្នេះហើយបានជាពេល
100 tua nó cứ bong pol mần ới kinh chưng vần vệt chô ruộng Ne pas être invité à une décision, à une réunion décisionnaire, c'était quand même une manière de mettre à l'écart quelqu'un sous le régime, non? Je me réponds à l'opathien, mais tiens la canne, robot bon pol, son pia pal d'aï, pipro. Puis pour bon bon, ça m'a dit, à chân trái mệt chùm. Bon khám, ọt mên ça m'a dit, à chân trái mệt chùm thế. Peut-on dire que du point de vue du système qui prévalait à l'époque, écarté Van Wet de cette réunion, c'était une sorte de sanction. Vous souvenez-vous de votre déclaration au juge d'instruction dans laquelle, ou plutôt, vous souvenez-vous la dernière fois où vous avez vu Van Wet? Ça, c'était lorsqu'il était détenu, c'est bien cela, monsieur le témoin? J'ai posé une question, c'est de ma faute, j'ai posé une question qui n'était pas assez précise. En fait, la question que je souhaitais vous poser, c'était la suivante. Avant d'être arrêté, Van Wet était-il venu à S21? អរគុណជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធាននៅពេលដែលវិធានការចាប់ប៉ងបងនួនគាត់ប្រើឲ្យវនវេទៅជួបខ្ញុំដោយមានកូនសម្បត្តិកូនសម្បត្តិមកស្លឹករបស់គាត់ មានកូនសម្បត្តិមកស្លឹករបស់គាត់ថាមិត្តដូចធ្វើការជាមួយមិត្តវូន Hãy gọi sinh ấy buồn. Pouvez-vous répéter votre réponse car nous avons eu, je pense, une petite difficulté au niveau de la traduction. Bong bon, ở từ chụp nhom. Đời miền sầm bớt ở tây sơn niêm một chiếc bắp. Ở khóm thui cá chìm muối bong bon.
qui devait travailler avec qui dans cette lettre? គឺឲ្យខ្ញុំធ្វើការជាមួយបងប្អូនសូមបញ្ជាក់បន្ថែមថាបើគ្មានសម្បត្តិនេះទេខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិធ្វើការជាមួយបងប្អូនទេ Au regard du fait que l'arrestation de Pang a eu lieu deux mois après celle de Chouchette, et de ce que vous venez d'indiquer, à savoir que c'est Van Vett qui était venu collaborer avec vous au moment de l'arrestation de Pang, ne trouvez-vous pas encore plus extraordinaire les informations que vous aurez communiquées Pang sur le fait que Van Vett était à cette période sur la sellette et mise à l'écart de processus de décision? គេចេញមិនអោយចូលប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍ឬម្ដងឬច្រើនដងយើងអត់ច្បាស់ខ្ញុំអត់ច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលច្បាស់គឺបងប្អូនអញ្ជើញចូលទៅ នៅពេលដែលមុនគេចាប់បង្ភឹមដូច្នេះរឿងអីក៏ដោយមុននឹងបកសម្រេចចាប់ខាងលើដែលបកចាត់តាំងមកត្រូវតែគោរពត្រូវតែរៀបការដោយស្មោះត្រង់ត្រូវតែធ្វើការជាមួយ ដល់ពេលសោមល្មមនឹងសម្រាប់ដើម្បីពិសារថ្ងៃត្រង់ហើយអរខ្ញុំរះប្រកាសសម្រាប់ដើម្បីពិសារថ្ងៃត្រង់ចាប់ពេលនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង 1:30នាទីសូមអញ្ជើញ 6:30នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្ដែងការហើយអនុរិយមទីកុំខាំងអញ្ជើញសាក់សីទៅកាន់បន្ទប់ Thank you, Mr. President. My client would prefer to follow the remainder of the proceedings from the holding cell downstairs because of his poor health. I have the necessary waivers here to hand over to the court officer. បាទអរគុណមេធាវីអគុយចុះបានត្រាប់ដំណើរសុំរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាដែលបានធ្វើឡើងតាមរយៈមេធាវីការពារក្តីរបស់គាត់ស្នើសុំទៅតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ដានការពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធសោទស្សន៍ពីបន្ទប់មួយនៅខាងក្រមបន្ទប់សម្ដានការនេះសម្រាប់រយៈពេលកិច្ចដំណើរការសម្ដានការពេញមួយរសៀលនេះដោយលះបង់សិទ្ធិមិនចូលរួមតាមដាននៅកិច្ចដំណើរការសម្ដានការដោយផ្ទាល់ដោយមូលហេតុបញ្ហាសុខភាពអង្គជំរះ យល់ព្រមតាមដំណើរសុំរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាដែលបានធ្វើឡើងតាមរយៈវិធីការពារក្តីរបស់គាត់
ដោយសូមបន្តតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្មនាការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនស្ថិតនៅក្រោមបន្ទប់សម្មនាការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សន៍សម្រាប់រយៈពេល 조รวมสํานักการได้ปตอลในក្នុងบทบสํานักการได้มีเจ้าหาเลขาหรือประดับเรียมได้เจ๊ะฉบับปีจนจับจอดมุนเจียพองประกอบឲ្យផ្នែកสอดตั้วជាប់ប្រព័ន្ធសอดตั้วสําหรับជនจับจอดรูปนี้อาจตามด้านกิจกรรมการสํานักการปีจํานายในក្នុងระยะពេលនៃกิจกรรมการสํานักการสําหรับรัสเซียนี้ประกอบឲ្យอนุญาตมีคมแข็งน้อมคลวนជនจับจอดตั้งปีรูปนวนเทียนนึงคือสมพรต่อการบทบคมคลวนข้างกรอบทบสํานักการนี้ ហើយនៅរុស្ស៊ីនេះឲ្យអញ្ជើញតែលោកខៀវសំផនតែលោកខៀវសំផនមកកាន់បន្ទប់សម្មនាការឲ្យបានមុនម៉ោង 1:30 នាទីសម្រាប់ចុះសូមជញ្ជក់ក្រោមជើង